Je voudrais vous demander de quelle région vous venez. Je suis originaire du Canada. Vous vous demandez où c'est, j'imagine. Oh, je sais où se trouve le Canada. J'y suis allé moi-même. C'est beaucoup de voyages pour un esclave. Solomon Northup est un grand virtuose du violon. Je suis né libre. J'ai vécu à New York avec ma famille. Passage avec ta mère. Avant d'être trahi. Ah, Solomon. Enlevé et vendu comme esclave. T'as retrouvé la santé ? Je m'appelle Solomon Northup. Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer. T'es pas un homme libre. T'es rien de plus qu'un clandestin évadé de Géorgie. Went down to the river Jordan. Et le serviteur qui n'obéit pas à son seigneur, celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois. Parole d'évangile. La condition de vos travailleurs, elle est abjecte. C'est ma propriété. Vous l'énoncez avec fierté. J'énonce un fait. Parle ! Un homme a le droit de disposer de sa propriété. Reviens-y. Maître. Donnez le revenir ! Il n'y a même pas 10 jours, j'étais avec ma famille, chez moi. Et toi, tu me dis de renoncer à tout. Si tu tiens à la vie, ne fais et ne dis que le strict minimum. Je ne veux pas survivre. Je veux vivre. J'en étais sûr que tu cachais quelque chose ! J'ai suivi les instructions. S'il y a un défaut, le défaut était dans les instructions ! Dis-toi bien qu'on t'a amené ici pour travailler, autrement ça te vaudra 100 coups de fouet. Je sais ce que c'est que de faire l'objet des attentions du maître. Non ! À son heure, le Seigneur s'occupera de Hex, comme de ses semblables. Je vais survivre ! Je ne succomberai pas au désespoir ! J'entretiendrai mes forces jusqu'à l'opportunité d'être libéré ! Je ne suis pas un esclave.